Oui. Aujourd'hui, nous ne ferons pas de pizza. Nous ne ferons pas de gâteau. Aujourd'hui, nous allons faire de la cuisine un peu plus classique. Et je suis malade. On va faire de la cuisine classique, mais mais ça va être un peu plus sportif. Déjà parce qu'on n'aura pas le tutoriel, incroyable. Mais parce que je compte bien ne pas prendre un seul perk. Et ouais. Nous allons cuisiner, messieurs. Au début. Ça sera... On pourra encore appeler ça de la cuisine. Mais très vite. On va s'installer dans notre cuisine. Et rien n'aura de sens. Mais on n'y est pas. Ne vous inquiétez pas. Je pense qu'on... Une ou deux étoiles tranquilles. Après... Seul Dieu sait ce qui va se passer. Nous y sommes. Dans une heure, nous ouvrons... Nous sommes prêts pour faire des affaires. Tu disais ça pour... Ouais. Ah. Par contre... J'aimerais me déplacer, effectivement. Super. Super Mario. Sauter la phase de préparation. Alors, attendez. Ça y est, c'est déjà le chaos. Ah. Jour 1. Alors, nous avons la soupe de tomates, la truite au four. Ah, les souvenirs qui reviennent. J'avais déjà fait une partie où j'avais atteint 3 ou 4 étoiles, il me semble. Mais nous sommes de retour au début pour cette nouvelle partie. C'est parti, on va faire des soupes de tomates, des truites au four et des quoi ? Soupe de tomates, truites au four et saumon pomme de terre. Et d'ailleurs, en parlant de ça, comment on joue déjà ? Ah ouais, attendez. Ah parfait. Dans une heure, nous sommes prêts pour faire des affaires. Ça a l'air d'être un peu mieux en effet. Hop là. Ah, bien. Nous voilà. Nous voilà de retour. Après quelques options de régler, nous allons pouvoir commencer. Nous allons pouvoir faire ce pour quoi nous sommes là, c'est-à-dire de la cuisine. Alors, poser. Voilà, tu poses ça là. On va prendre... nous allons prendre... Tout ce dont nous allons avoir besoin. Voilà, on va mettre un truc là. On va mettre ça là. Non, pas là. Il en faut un ici. Un ici. Voilà, pour... Je profite qu'il n'y a rien à faire. Donc là, j'ai 2 minutes où je suis libre. Avant que ça commence à être la panique. Donc voilà. Alors, on va prendre une truite. Hein. Prenons une truite. Posons cette truite juste ici. Ah ouais, j'ai pas d'épices. Oh, putain. Vite. Vite. Vite, épices. Ouais. Ça, je prends. Hop. Ça, je prends. Ça, je prends. Ça, je prends. Ça, je prends. Et ça, je prends. Yes. Hop, liquide. Bouillon de poulet, je prends. Crème fraîche, je prends. De l'eau. On s'en fout de l'eau. Pourquoi de l'eau? Je sais pas, je prends, dans le doute. Dans le doute, je prends. Huile de tournesol, je prends. Allez, hop. Alors, ustensiles. Pitié, petit monsieur. Alors... le mixeur, on en a déjà un. Panier de friteuse, les pinces, la poêle. La poêle, est-ce qu'on a une poêle? On a des poêles? Où sont les poêles? Là, il y a une poêle. Je vais prendre la poêle. Je vais la mettre ici. Comme ça, au moins, on va pas la perdre. Hop. Ouais, c'est énorme. Ça, hop, tac. Ça. Aussi ici. Ah, super. Sauter la phase de préparation, non. Le temps est précieux. Mon temps est précieux, alors faites vite. Tonneau de bière. Oh. On va pas s'amuser à acheter des trucs comme ça. Un tabouret, un seau, un chalumeau. Ah ouais, un livre de cuisine. J'en aurai besoin de ça.
je peux pas le poser. Donc je vais le jeter. Je fais comment pour le lire? Je peux pas, c'est ça? D'accord, ça ne sert à rien. Je me suis fait arnaquer. Une éponge, un extincteur. Oh non, on est ouvert! Vite! Les premières commandes. Incroyable. Ah mon dieu, la soupe de tomates. Alors, comment on fait ça déjà? Du bouillon de poulet dans une casserole avec du sel, du poivre. Ok, casserole. Casserole, casserole. Hop. On prend une casserole, hein. Pour le moment, tout va bien. Je pense. Je pense que tout va bien. Allez, vas-y, 700 ml. Paf! Il y en a à peine plus. C'est... C'est offert par la maison, du sel, du poivre. Vas-y, vas-y, mets-moi du sel là-dedans. 12 grammes. Il y en a 13, c'est offert par la maison. Poivre noir. Hop là, 12. Voilà. Piment de Cayenne, 6 grammes. Piment de Cayenne. Hop là. 6 grammes. Et, ah, c'est là que c'est... Alors, il faut 960 g de tomates et 120 g d'oignons. Ah. Alors, les tomates, c'est 120 g. Ça fait... 560... ça fait 8. 8 tomates. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et les oignons, les oignons, les oignons, 120 grammes, un oignon, faire bouillir pendant 60 secondes. Ok, j'ai la situation bien en main. Est-ce que c'est le bon? Oui, je pense. Oui, c'est bon. Merde, 60 secondes, comment on fait déjà? Minuterie. Oh putain, W, quoi? Ouais, 50, on va mettre 50. Ouais, c'est bien, super. 60 secondes, mixer, ajouter la crème fraîche. Ah, il va falloir mettre de la crème fraîche. Il va falloir... J'ai toujours une truite qui traîne, on... super. Là. Là, ça c'est bien ça, mixeur. Mixeur, oui. Donc on est d'accord, oui, il n'y a rien d'autre pour l'instant. C'est le début, tranquille. On est tranquille. Ah, fut une époque, je jouais, enfin, j'ai joué 7 heures sur ce jeu. Une partie en une fois que j'avais fait. Avec les perks qui, enfin, je jouais normalement, quoi, et c'est vrai que... C'est... Voilà, j'avais pris le coup de main, mais ça fait environ des mois que je n'ai pas joué. Voilà, j'imagine qu'il fallait juste faire cuire ça. Hop, on éteint. Ça aussi. On mixe. Ouais. C'est bon. Merci. Hop. Très bien. Ensuite, 150 ml de crème fraîche. Elle est où? Elle est là. La crème fraîche. Hop. 150 ml. 165, c'est offert par la maison. De rien. Juste de rien, en fait. Verser le liquide dans une assiette creuse à servir chaud. Ok. Une assiette creuse à servir chaud, donc là on va continuer à faire cuire jusqu'à ce que ce soit cuit. Assiette creuse. Allô? Assiette à soupe. Incroyable. Ça y est. Alors, il y a un truc qui pourrait nous être utile, même si ce serait... Non, je veux pas faire ça. Même si ce serait plus marrant de verser et que ce soit la panique. On va acheter une louche, 150 ml. Ils veulent combien? Verser 300 ml dans une assiette creuse, ok. Donc ça va être pas mal. Pour servir, faire le service. Oh non, il nous reste que 3 minutes. J'espère que ça va le faire. Ah. J'appréhende. J'appréhende vraiment ce qui va se passer. Parce que faire atteindre la fin du jeu, donc atteindre les 5 étoiles sans aucune perk, sans aucun bonus, ça va être incroyable. C'est bon, c'est chaud. C'est chaud. Ok. Hop.
Oh, c'est magique. Et là, tu verses dedans. Oh, c'est incroyable. Oh ouais. Oh ouais. Merci. Hop. Pas de drame, s'il vous plaît. Nous servons la soupe. La sous-soupe. La bonne sous-soupe. Mais oui, mais elle est délicieuse, ma sous-soupe. Mais de rien. De rien pour la soupe. Réclamation des clients. Voilà, c'est parfait. Tout est parfait. Incroyable. Allez, on passe à la suite. Il est déjà une heure et demie. Ah, la truite. La truite. Prendre une truite. L'assaisonner avec du poivre et du thym et de l'aneth. Ouais, du thym, du poivre, de l'aneth. Le thym. Ça c'est bon. Du poivre. Hop. 5 grammes chacun. Et de l'aneth. Voilà, hop. Merci. Placez une plaque au four, faites cuire pendant 90 secondes. Ah oui. Oui. Les fameuses plaques au four, on en a une ici. Hop. Tac. 90 secondes. 90 secondes. Si je sais encore compter, ça fait ça. Assaisonner avec du réfort ensuite. Quart de citron. Ah oui, c'est vrai qu'il faut faire ça. Mettre des quarts de citron dans une assiette et décorer avec une feuille de persil fraîche. Ah ouais. Les assiettes. Ça coûte zéro, ça ? Ça coûte zéro. Super. On s'en fout. Ok. Coupons un citron. Ah. Je sens qu'on va se marrer. Surtout que comme je vais avoir accès à aucun perk, je n'aurai pas le perk qui fait que je peux maintenir un truc quand je le coupe. Donc là, ça va être paf, tout le temps comme ça. Ça va être un drame. Pour le moment, ça va. Oh putain, mon quart de citron, il est horrible. Allez, ça fera l'affaire. Tu me mets ça... Putain. Tu me mets ça dedans. Voilà. Et tu mets du persil. Voilà. Et il en faut combien? Il en faut 6 grammes. Ouais, super. Grosse déco, hein. C'est bientôt prêt. C'est bon. Hop. Non ! C'était le drame qu'il fallait. Il fallait que ça arrive, hein. Il fallait que ça arrive un jour. Attendez. Le sol est parfaitement sain. Putain. Ne vous inquiétez pas, votre truite est parfaite. Voilà, hop. Faut que je mette du réfort, 5 grammes. 5 grammes de réfort. Le réfort, là. Et c'est tout, hein. Citron, machin, réfort. Allez, hop. C'est bon. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes des professionnels. Nous savons ce que nous faisons. Voilà. Mais tout est parfait encore. Les anticorps sont gratuits. Bon, c'est le bordel, hein. Oh non, le saumon. Ok. Alors, un filet de saumon assaisonné avec du sel, du poivre. Le saumon. Hop. Saumon. Apparemment, c'est ici mon coin assaisonnement, hein, directement avec le truc. C'est comment déjà? Du sel, du poivre. Du sel. 5 grammes de sel. 5 grammes de poivre. Mais... Allô? Allô? Merci. 5 grammes de poivre. Ajouter dans une poêle du tournesol. Ouais. Une poêle. À poêle. Paf. Ça peut rester là. 10 ml d'huile de tournesol. Hop.
Ah, les 5 ml en plus sont offerts par la maison. De rien. Huile de tournesol, filet de saumon, fait revenir de 60. Ah ouais, c'est vrai qu'il faut les retourner. Oh, quel enfer. Q. Là. Non. À l'aide. Voilà. Et ensuite, il va falloir les retourner. Donc, il va nous falloir une spatule. Une spatule. Où sont les spatules? Une pince, ça irait pas? 40$ la pince, oh putain, une spatule. Allez hop. À l'ancienne, on va utiliser une spatule. Ah mais il y en avait deux. Bon. Bah écoute, il y en aura deux. Je sais pas à quoi ça sert d'en avoir deux, mais on en aura deux. Pour le moment, c'est tranquille. Hein. Pour le moment, c'est vachement tranquille parce qu'on c'est que une commande par une commande et c'est les premières. C'est les premiers plats vachement faciles à faire. Mais rassurez-vous, toujours debout, toujours vivant, toujours la banane, ça va vite être en enfer. Je pense que à la première journée, on peut avoir notre. On peut avoir notre première étoile. Ah! Quoi? Q! Hop! Plus ou moins. Ça va. Ça va, ça va. Les pommes de terre! Mais quelle. Ouais, ouais! Non, mais je suis un professionnel, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que dans le saumon et patates, j'ai oublié un truc. Genre. Ça commence par un P. Alors, les patates. Machin, 20 grammes de sel. Du sel. On joue à League of Legends. Ok. 30 grammes de pommes de terre. Non, pas 30 grammes, 300. 300 grammes de pommes de terre. Ça fait... Pas du citron, pitié. Ça fait 2 pommes de terre. Incroyable. Faire bouillir 120 secondes. Ah ouais. 120 secondes. Merci, merci. Ça, on arrête. On arrête. Et ça, ça va cuire pendant 120 secondes. Ok. Préparons l'assiette. L'assiette est là. Super. On n'a plus qu'à attendre. On n'a plus qu'à attendre, mais si on voulait vraiment... Là, on a de la soupe. On a la sous-soupe. D'ailleurs, la sous-soupe, elle pourrait être un peu plus chaude, j'imagine. On pourrait préparer une truite, à la rigueur. Ça coûte pas grand-chose et ça peut nous faire gagner du temps. Ça peut nous faire gagner du temps. La truite, comment on prépare la truite, déjà? Il faut du poivre, du thym et de la nette, c'est ça, hein. Ah, il va falloir strater, hein. Il va falloir strater un petit peu pour réussir à finir le jeu sans aucune perk. Aïe, 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 aïe. Allez, hop. Voilà, la truite est assaisonnée. C'est toujours ça de prix. Il nous reste 40 secondes. On va préparer une assiette. On va préparer une assiette. Hop. On met ça là. Il faut couper un citron. Mais il est où mon citron? Allô? Il est où mon citron? J'ai perdu mon citron. Ah super. Ah il est là. Hop. Ouais, super. C'est bon. Tout est sous contrôle. La soupe est chaude. La sous-soupe. Ça, c'est bon. Donc, on prend l'assiette. Sans le mixeur, merci. On prend les deux patates. Et on prend le saumon. Et c'est bon. Quelle magnifique assiette. Allez, régalez-vous. Régalez-vous.
populace, mangez. Qu'est-ce que c'est, steak de saumon? Ouais, super. Le client est satisfait. Il y a un peu trop d'huile. Bah oui, bah voilà, il y avait 5 minutes de plus. J'ai gagné suffisamment de cuisine pour une nouvelle recette. J'ai pas envie. Aïe, 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 gestionnaire des recettes. C'était la dernière commande pour aujourd'hui. Ah, super. Ouais, que je n'ai pas. Qu'est-ce que j'ai pas? Beaucoup de choses. J'ai 13 points. Ça, il me faut une étoile. Ah, j'ai toujours pas fait ma première étoile. Merde. Bah, je vais prendre le borch. Borch ukrainien. Tu as besoin de nouveaux ingrédients, tu peux les trouver. Ouais, super. Super, le borch. Ok, on a 4 minutes. On a 4 minutes. Donc, la soupe, elle peut rester comme ça. Ça, il faut que ça se barre. Dans la poubelle. On va ranger un petit peu. Ça. À la poubelle. Tac. Les trucs. Oula, attention. Ne vous inquiétez pas, je sais parfaitement ce que je fais. Allez. Ouais, peu importe. Allez, hop. À la poubelle. À la poubelle, j'ai dit. Mais quoi? Oh. Allez. Il va falloir y aller à l'ancienne, voilà, un par un. Tac. Incroyable. L'assiette a été nettoyée. 2 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire en 2 minutes? La truite est assaisonnée. On peut la faire cuire plus tard. Oh, je peux faire plein de truites. Oh, je vais faire ça. Je vais faire plein de truites. Hop là. Ah, fallait que je coupe un citron aussi. C'est pas grave, on fera ça après. Le poivre, l'aneth, le thym. Tac. Boum. Assaisonnement. On prépare des thons, des truites. C'est la même chose, c'est des poissons. Voilà, hop. On met ça là. Après, je suis pas obligé de... Oh tiens, on a accès à ça ici. Je savais pas. Je viens de le découvrir. On a même accès au citron, incroyable. Bon. Le filet de saumon. On va préparer un filet de saumon. 5 grammes de sel et de poivre, j'imagine. 5 grammes de sel, 5 grammes de poivre. Incroyable. Voilà, on va mettre ça ici. Très hygiénique, hein. Toujours. Toujours très hygiénique. Super. Il nous reste combien de temps? 30 secondes. Qu'est-ce qu'on peut faire en 30 secondes? On peut mettre 1 litre d'eau pour les patates. Et 20 grammes de sel. Hop là. League of Legends! Allez, ce gramme bonus offert par la maison. Il y a eu un bruit de plouf. Oh, c'est la fin du jour 1. Ça y est, 26 de renommée sur 30. 13 points cuisine. 3 commandes terminées. Dépenses
Ouais, on a perdu de l'argent, mais il fallait se lancer, c'est normal. Nice. Ouais, super. Non. Attraper l'objet sélectionné. Quoi? Attraper. Qu'entendez-vous par attraper, en fait? Vous recevez 3 points de compétence en plus si vous ne débloquez pas de perk. Eh bien, je ne débloque pas de perk. J'ai 6 points de compétence et je ne les utilise pas.